Eh bien, salut tout le monde, c'est Madison. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 8 mai 2019. Et aujourd'hui, on a un nouvel événement qui est un événement de randonnée qui se passe dans la forêt de Firgrove. Alors, il faut savoir que pour cet événement, il y a deux façons de faire les choses, mais on va y voir après parce qu'on va commencer par rappeler les choses qui sont à rappeler quand même. Comme, comment dire? Alors, déjà, il y a un nouveau poulain sur l'application Starstable Horses. Ça fait quelques jours qu'il est là, donc moi je ne l'apprends pas, il y a peut-être des gens qui vont l'apprendre, mais ça fait quelques jours qu'il est là, donc c'est un anovrien qui est de couleur baie brûlée, je dirais, et qui a des balzanes, une liste. Personnellement, bon là sur la photo, il rend à peu près bien, mais je l'ai déjà vu en photo de personnes qui l'avaient en jeu, et je suis pas fan. Je préfère le mien, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr l'émission avec les poulains jusqu'au 22 mai, voilà, pour pas oublier. Spirit qui s'en va le 29 et la boutique de Spirit également. Donc vous n'oubliez pas, si vous voulez des équipements qui sont dans la boutique de Spirit, allez les acheter. Le marché aux chevaux est fermé. Et ensuite, eh ben on a quoi? Eh ben on a que la randonnée. Donc, la randonnée. On peut la faire soit en passant là par le panneau qui est derrière moi. Donc on va commencer par le faire une fois comme ça. Il faut savoir que à chaque fois qu'on lance la randonnée, ce sera jamais la même et qu'elle donne de l'XP. Donc tous les jours, la première fois que vous la faites, vous allez gagner de l'XP. Donc ça c'est plutôt bien, je sais pas combien, on verra. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire la randonnée, ça va être différent. Comme ils ont expliqué là, il y a des fois où vous allez pouvoir faire un pique-nique, il y a des fois, ben, je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un, ou voilà. Enfin, il va se passer des choses différentes à chaque fois. Alors, je vais pas vous montrer tous les événements, hein, j'ai pas le temps, vous verrez de vous-même. Mais je pense que même en fonction des différentes vidéos YouTube, il y a peut-être moyen qu'on ait chacune quelque chose de différente. Enfin, différent, je sais pas, je n'en sais rien, j'en sais rien. Je sais pas. Mais bon, du coup, on va en essayer une comme ça. Et après, on en fera une avec Sonia, Luciana et Emma qui ont décidé d'ouvrir un club équestre. Et du coup, ben, suite à ça, ben, elles vont nous proposer de faire une randonnée avec elles. Mais il faudra aller jusque Steve. Et vu que j'étais là, je me suis dit, au moins, on va essayer une randonnée comme ça qui est exclusive à l'événement. Et l'événement dure jusqu'au 22 mai. Donc, les randonnées que je vais faire, enfin, les randonnées qu'on fait comme là, elles vont pouvoir être faites que jusqu'au 22 mai. Et la mission avec Emma, Luciana et tout ça, elle restera toujours. Donc, c'est pas grave si vous pouvez pas la faire tout de suite. Par contre, les randonnées, alors on pourra continuer à se balader sur le chemin, même après, mais par contre, les randonnées comme ça ne seront plus possibles. Voilà. Donc là, ils expliquent bon, la randonnée, tout ça. Bon, ça en gros, c'est un peu ce qui est écrit dans la note de mise à jour, donc je vais pas vous le raconter. Et donc, c'est 100 points d'XP. Bon, c'est toujours ça. Bon, j'ai pas de cheval à entraîner, mais voilà. Alors, randonnée à caisse du fil rouge. J'imagine que je vais devoir suivre les trucs. Alors, est-ce que c'est marqué sur la carte? Non. Par contre, alors le feu s'allume dès qu'on passe à côté, c'est marrant. Bon, on va se mettre comme ça, c'est plus sympa. Et ce chemin, alors je l'ai déjà fait parce que j'avais vu qu'il avait refait depuis 2-3 semaines. Et c'est vraiment très joli. Et non, je trouve ça sympa de faire des randonnées. C'est quoi là-bas? C'est un renard? Ah oui, c'est un renard qui est en train de se pavaner. Je sais pas si vous l'avez vu, mais regardez. Regardez-moi ça. Il est trop mignon. J'aime bien les renards, mais ils coûtent trop cher. Bref. On va aller là-bas. Oh, attendez, mais on croise Linda là. Délire. Bonjour Madison, je suis en route pour Apple Grove avec Météor. Ok, on va à Apple Grove, écoute. Ok, donc nous déjà on a croisé quelqu'un. On va avancer un peu parce que si on en fait une deuxième derrière, j'ai pas envie que ça dure. Enfin, prendre son temps c'est bien, mais je pense pour vous, vous avez pas envie de regarder juste. Oh, peut-être, je sais pas. N'empêche, c'est super beau comme vue. J'ai la gorge enrouée. Ah, il y a un arbre qui s'est cassé la gueule. Il dit que j'avais la gorge enrouée ces derniers jours, c'est incroyable. Ah d'accord, ok. Ah par contre c'est un vieux sapin. Ils n'ont pas eu le temps d'en faire un nouveau, hein. Ils se sont dit. Ok donc. Non c'est marrant je trouve. Je sais pas combien de trucs qui arrivent par randonnée en fait. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est toujours le même nombre ou si par exemple il y a. Il y en a plus dans certaines ou quoi. Aucune idée. Oh il y a Idriss. Idriss. Voilà. T'as
Ta voix te mène à la fin de cette piste, cela ne te dérange pas si je t'accompagne, ma chérie. Bien sûr, viens avec moi la prochaine fois, peut-être pas, bien sûr. Après toi. Ah, genre, on a Idriss qui nous suit. Ah, ouais, non, mais il nous suit. Oh, terrible! On a encore un arc. Attendez, il nous suit comme les poulains ils font, c'est énorme! Ah, j'adore, c'est trop marrant! Attendez. Ah, j'en peux plus, quoi. Mais c'est énorme. Bon, alors, il fait des trucs un peu bizarres, mais. Au moins, ça change un peu. Est-ce qu'il peut courir? Ah non, il marche juste plus vite. Et c'est encore pire quand il marche vite. On va pas le faire marcher vite. Je le surveille, hein. Il peut faire des trucs bizarres. Un petit mouton sous la lumière. On peut te parler, petit mouton? Ah oui. T'as que ça me dire? Ok. Alors, maintenant. Viens, Idriss, te casse pas la gueule, s'il te plaît. Oh, ok. Ok, ça. Non, mais c'est énorme, attendez. Ah merde, fallait peut-être faire le tour, non? Bon, je sais pas. En fait, on sait jamais. Enfin, on sait pas vraiment où est-ce qu'il faut aller, donc. C'est assez expérimental, hein. Cette activité forge réellement un lien, c'est merveilleux. Je souhaite que mon cirque des rêves soit aussi un endroit où des personnes de tous les horizons puissent former des liens étroits. Ce serait dommage de ne pas m'inspirer des activités des autochtones. Ouais, bien sûr, ça forme des liens, ouais. Ah là là, je vous jure. Je me dis si j'étais passée par l'autre côté, est-ce que j'aurais eu un autre événement ou pas? Est-ce que ça dépend de là où on passe aussi? Enfin, je pense que c'est un peu des deux. Hein. Et si je vais là-bas? Ah non, on peut passer par les deux côtés, bon, on va passer par là. Bon, on va pas descendre par contre, parce qu'il n'y a pas de fil. Viens. Je sais pas si je suis la seule à me trimballer Idriss, mais je trouve ça marrant. Par contre, il marche quand même bizarrement. Hein. Et donc là. Ah, Idriss est bien là. Et là, on peut faire quelque chose avec ça? Ah, et je crois qu'en fait, il faut, quand on finit la randonnée avec quelqu'un, il faut attacher le fil en fait. Quelle vie admirable. Si personne ne s'en sert, tu crois que je pourrais l'utiliser pour mon cirque des rêves? Ok. Il faut que je fasse quelque chose là. J'ai. Ah ouais, j'ai un fil. Attendez, il faut que j'aille l'attacher. Est-ce que je peux l'attacher à partir de mon cheval? Attendez, je crois qu'on pouvait d'en bas. Ah non, ah là, je pouvais. Non. Non, oui. Non. Non. Oui. Non. Mais c'est insupportable comme truc. Randonnée complétée. Ah oui, comme ça, à chaque fois, on attache notre petit ruban en fait. C'est mignon. Et Idriss, lui, il est toujours à fond avec son truc. Ouais, bon. Et est-ce qu'il y a d'autres gens? Non. Et du coup, on finit sur ce petit lieu avec de la bouffe, un camping, tout ça, des tentes et tout. Oh, c'est marrant, j'aime bien. Non, j'aime bien, franchement, c'est marrant. Ah, attendez, attends, on peut. Ah, on peut regarder. Trop de choses. Attendez, waouh! Ah, ouais, d'accord, en fait. Ah, oui, c'est avec la souris qu'on dirige. Oh. Oh. Ouais, je peux pas regarder trop bas. On peut aller jusque où en haut? Est-ce qu'il y a une limite déjà? Ouais. Et on peut. Ah! En fait, j'aime bien maintenant le fait qu'il y ait des items avec lesquels on peut interagir en fait. Même si en soi, là, ça n'a pas l'air de servir à grand chose, au moins c'est marrant quoi. C'est pas juste des objets qui sont posés là en mode bon ben on est là quoi, c'est déjà bien. Et là, est-ce que je peux complètement retourner le truc? Ou est-ce qu'il y a une limite aussi? Excusez-moi, je sais que c'est un peu long, mais je veux vraiment tester. Ah, oh bah non. Coucou. Mon petit. Ah oui, ah oui. Ah d'accord. Ah, je suis très très forte, hein. Ah, c'est télépathie télescope là. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, c'est une autre façon de regarder dans une longue vue. Ah, bah je vois la longue vue aussi.
Ah mais oui, effectivement, c'est une autre façon de regarder dans la longue vue. Oh là, oh oui, oh d'accord, okay. Je crois que je vais arrêter de toucher à cette longue vue. Parce que sinon, je vais finir par casser quelque chose. Les choses un peu expérimentales de Star Stable. Non, mais c'est marrant au moins. Je crois qu'il n'y a rien d'autre comme ça. Et il y a le chemin qui mène là-bas. Ah, il y a un autre. Ah, attendez, il y a Tinken. Salut Tinken. J'ai essayé de parler à Lynx, mais il ne semble pas doué pour les conversations intelligentes. Il me rappelle un peu Alex en fait. Et je t'entends, je te signale. Ah, elles sont là-bas, ok. Et l'autre ne veut pas parler. Enfin, l'autre ne peut pas parler, sûrement. Et là aussi, une longue vue. Bon, je pense qu'elle fonctionne comme l'autre. Mais du coup, ouais, il y a Maya et Alex qui sont là. N'oublie pas de t'occuper de ton cheval à la fin de la randonnée. Raven Madness t'a transporté jusqu'ici. Ça mérite bien une récompense. Oh, tu es là aussi, bonjour. La vue est vraiment incroyable ici, hein. On peut voir tout ce qu'on se bat pour protéger. Ça met vraiment les choses en perspective. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais il y a des longues vues partout en fait. Bon, là, tout fonctionnait pareil en fait, mais. Attendez, je vais voir s'il y a des trucs là-bas. La vidéo qui va durer 40 minutes. Oh, ça va, on explore, on découvre. Tu sais, j'étais déjà allée, mais. Vu que là, ils ont rajouté beaucoup de choses, je veux voir si je peux voir des trucs. Parce que. Oh, ça va. Ah, attendez, non, mais what the fuck? On pourra descendre par là, si ça se trouve. Parce qu'avant, on pouvait pas. Si on peut monter et descendre par là, ce serait bien. Ok. Bon, jusque-là, ça sert à rien. Moi, j'ai pas envie de descendre. On va aller juste un peu de l'autre côté, voir s'il n'y a pas. Lisa ou Anne. Voilà. Parce que. Mais après, Anne, faut me dire, il va falloir en donner à Psy. La peau. Oh là, ça lag. Oh mon dieu. Pourtant, je lag quasiment jamais, mais. Là, il y a peut-être trop de gens sur une toute petite surface, et à mon avis. Ça va pas. Hein. Alors. Si je vais là par exemple, est-ce qu'ils y comptent quand même pour une zone de randonnée ou pas? Alors il y a les loups qui font des trucs bizarres, d'accord. Cette arme me casse les oreilles. Non, il y a peut-être personne. Mais what? Eh, mais les loups, je sais pas ce qu'ils font, mais. Partant délire. Ah oui, oula, ils ont bien changé le chemin là. J'étais pas revenu depuis qu'ils l'avaient changé, mais. Ok. Ça rend quand même mieux comme ça, effectivement. Bon, écoutez, je vais me rendre à Steve pour pouvoir faire la randonnée avec Emma, Luciana et Sonia. Et puis après, voilà. Parce qu'il faut qu'on voit quelle est leur randonnée à elle aussi. Je veux savoir. Bref, on se retrouve tout de suite, du coup, à Steve. Me voici donc à Steve. Alors, je sais pas si c'est que moi, mais depuis quelques semaines, quand je prends le vent, et encore, c'est très très rare, je le prends quasiment jamais, mais quand je le prends ou que je fais une reconduite, eh ben, ça me fait ça au sol. Des fois ça part tout seul, et des fois non. Voilà. Alors je sais que je crois qu'on peut y régler juste en. Comment dire? Normalement, en faisant ça, voilà. Mais bon, c'est quand même relou. Voilà. Alors, on parle à qui? Ah, Luciana, elle s'en fout, d'accord, très bien. On va parler à Sonia. Alors, coucou Madison, tu as entendu parler de la randonnée et caisse du fil rouge à faire gros? Oui. Oh, on a gagné de l'XP pour le cheval. Moi, tant pis, j'ai plus de cheval à entrer. Mais bon, tant pis. L'andonnée et caisse du fil rouge est une tradition printanière à Jorvik. Les amis chevauchent ensemble jusqu'en haut de la montagne et attachent un fil rouge pour renforcer le lien qui les unit. Luciana et moi y allons. Tu devrais vraiment venir avec nous. Oh oui, Sirio et moi serions honorés d'attacher le fil avec Madison et Raven Madness. Tu veux bien te joindre à nous? Dis oui, s'il te plaît. Je serais honoré de vous compter parmi mes amis. Je viens. L'amitié n'est pas un truc pour moi. Je ne veux pas simplement. Mais pas simplement, je sais que vous. Ah non, on va dire ça quand même, on n'est pas des. Super, ça va être très amusant. Mais où sont Emma et Boubou? On ne peut pas y aller sans elles. Elle vient de m'envoyer un message, elle dit qu'elle nous retrouvera au pont. Elle est en retard, comme d'habitude. Le point de départ de la randonnée peut être difficile à trouver. Laisse-moi sortir mon GPS. Ce n'est pas nécessaire, sérieux, tu connais le chemin, non? Ah, il y a quelque chose que ton cheval ne sait pas faire, Luciana. Je ne sais pas, ce n'est pas. Ce n'est encore jamais arrivé. Alors, ah, oh, wow, on part comme ça, ok, direct en mode, ok, let's go quoi. Et là, j'imagine qu'on va aller jusqu'au pont.
Est-ce que je peux y aller en mode j'y vais à fond, je m'en fous, je les attends pas? Ou est-ce qu'elles vont m'engueuler? On va bien voir, hein. Pour l'instant, elles ont pas l'air de dire grand-chose, donc écoutez, on va y aller comme ça. Ça ira plus vite parce que je vous avoue que j'ai pas beaucoup de temps. Et voilà. Si on fait la randonnée en les attendant, déjà, on sera déjà bien sympa. Hein. Alors. Ok. Alors, du coup. C'est ici qu'Emma nous a dit de l'attendre. Alors, pourquoi n'est-elle pas là avec vous? On a prévu cette randonnée depuis les portes ouvertes. Où est-ce qu'Emma peut bien être? Ah, je ne sais pas. Emma sera toujours Emma. Elle va venir, j'en suis sûre. Son horloge personnelle est juste différente. Tu as raison, bien sûr. J'espérais juste qu'elle prendrait notre amitié assez au sérieux pour arriver à l'heure. La randonnée des caisses du fil rouge est assez fatigante. Profitons de l'attente pour vérifier que les chevaux sont correctement harnachés pour la chevaucher. Bonne idée, Luciana. Et si chacune d'entre nous vérifiait la selle d'une des autres pour plus de sécurité? Ça te va, Madison? Tu as caisse. Ok, bon. Alors là, je peux vérifier ma propre selle déjà. Très important. Non, parce que ça peut faire rire certains, mais en vrai, il y en a qui ressanglent jamais. Déjà, bon, avant monter, mais ça faut être un peu bête. Mais il faut aussi ressangler après être monté. Parce que, on dirait pas, mais des fois, moi, ça m'arrive des fois que quand je suis sur le cheval et que je ressangle, eh ben, limite, je peux rajouter trois trous. Genre, je comprends pas ce qui se passe. Hein, donc, je comprends pas. Alors qu'en bas, j'arrivais pas à en mettre plus d'un. Donc, vérifiez bien votre sangle si vous montez à cheval. C'est toujours très important si vous voulez pas tourner et vous casser la gueule. Voilà. Ou, et puis, surtout, si vous tombez et que la selle se retourne, pour le cheval, c'est pas fou non plus, quoi. Du coup, le confort d'un cheval doit toujours passer en premier. Sirio et Casper sont très heureux qu'il y ait une paire d'yeux en plus pour prendre soin d'eux. Toujours pas d'Emma, je suppose qu'on va devoir y... Ah, mal arrive. Évidemment, à ce moment-là. Arrêtez tout! Emma, tu arrives juste à temps. Oui, tout juste, on allait partir sans toi, tu sais. Je suis désolée, je devrais m'occuper d'un petit truc avant de venir. Mais attends, tu arrives de la piste de randonnée? Qu'est-ce que tu faisais là-haut? Non, ce n'est pas vrai. Tu ne sais vraiment pas mentir. Maintenant que tout le monde est là, on y va? Ok, on y va, let's go. Alors, on va reprendre notre cheval, ce serait bien. J'adore ce Clyde Isdale. Mais j'aime trop. En fait, il y a beaucoup de robes qui sont très jolies en fait sur cette race-là. Madison, tu fais la randonnée des caisses du fil rouge avec nous? Youhou, super! Plus on est de fous, plus on rit. C'est parti. Ok, vas-y. La randonnée des caisses du fil rouge a une histoire très intéressante. Tu veux que je te raconte? Tu peux me raconter sur le chemin, s'il te plaît? Parce que sinon, on n'y est pas là. Alors, oui, s'il te plaît, raconte-moi tout. Non, merci, je préfère profiter des bruits de la nature. Allez, raconte-nous. On les entend tous les jours, les bruits de la nature. Génial, je suis tombée sur son histoire en faisant des recherches au sujet des comtés de la moisson pour les portes ouvertes de l'écurie Jorvik. Le fil rouge du destin vient du folklore chinois. D'après la légende, les dieux relient deux âmes destinées à se rencontrer avec un fil rouge. Ce lien peut prendre la forme d'une amitié, d'un événement important dans la vie ou même d'un mariage. Lorsque la famille Li s'est installée à Storm Garden, après avoir émigré de Chine à Jorvik, j'ai entendu parler de la légende locale du Don d'Éden, le lien entre un cheval et son cavalier. La famille a alors commencé à incorporer un fil rouge à son harnachement afin de montrer que le lien qu'ils avaient avec leurs chevaux était prédestiné par les dieux de leurs ancêtres ou par Éden. Lorsque la famille Lee s'est installée à Storm Garden après avoir émigré de Chine. Pourquoi elle me redit la même chose? Ok, non, c'est comme. Ok, on dira rien, c'est pas grave. D'autres Jorvikois ont remarqué le lien étroit que les membres de la famille Lee partageaient avec leurs chevaux, et rapidement tout le monde a voulu avoir un lien du fil rouge. Personne ne sait quand le premier fil rouge a été attaché en haut de cette montagne. Au fil des ans, de plus en plus de fils se sont ajoutés à la collection et la piste a été formalisée. C'est comme si le destin voulait que cette randonnée arrive. Je trouve ça magnifique, pas vous? Ok, on peut y aller. Nickel. Je pense que je vais vous passer le moment qu'il y a entre ici et le point de départ, parce que c'est pas intéressant, à part si elle nous parle pas. Alors, Sirio et toi, former une équipe formidable, Senna, où penses-tu que votre partenariat va vous mener? Allez! À part si elle raconte des trucs, mais vu que là, elles ont l'air de. Ah bah non, à chaque fois que je dis ça, elle parle. L'équitation de travail sera toujours notre spécialité, mais j'ai envie d'explorer d'autres styles. Je ne suis pas du genre à préférer la vitesse à la précision, mais participer à la course de la pomme de terre m'a beaucoup amusée. Sans ce mystérieux Suédois du Nord, Sirio et moi aurions pu gagner. J'aimerais faire d'autres courses. Bon, ça va quasiment aussi vite que nous.
Et qu'espérais-toi, Sonia? Quand j'étais petite, ma famille participait toujours au festival médiéval d'Everdale. On connaît pas ça. Comme on est à Jarvik, les chevaux étaient bien évidemment à l'honneur. J'ai toujours pensé que ce serait épatant. D'accord, merci, j'ai même pas pu finir de lire. Merci. Bon, par contre, on a pris une zone qu'on ne connaît pas. Bon, c'est bon, on est quasiment au début. Vous avez des rêves vraiment géniaux. Boubou et moi, on aime juste chevaucher à toute vitesse et sauter très haut. Je n'ai pas réfléchi plus loin que ça. Eh ben, oui, mais voilà quoi. Vous n'avez rien entendu? Des moutons! Désolée de vous déranger, mais est-ce que par hasard, une d'entre vous saurait guider des moutons? Ah, Andy, tu me connais, j'ai déjà guidé des vaches et toutes sortes d'autres bestioles, donc... Tu veux bien m'aider? Tu me sauves la vie. Si je n'arrive pas à ramener le troupeau dans son enclos, mes moutons chéris vont servir de pâture de loup. De pâture au loup. J'ai voulu lire deux trucs en même temps, alors du coup, c'est pas possible. Vous vous demandez sans doute ce que je fais là-haut avec tous ces moutons. Et pas de chien de berger ou de cheval avec moi. Oui, raconte-nous. Du coup, ils ont enfin mis le nouvel Andy ici. Et bon... Pour tout vous dire, j'ai amené des animaux de berger pour m'aider. Un poulailler entier de petits bergers. Je me suis dit que si un cochon pouvait rassembler un troupeau de moutons, pourquoi pas des poules? C'est une certaine conception des choses. A posteriori, ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Et maintenant, vous êtes là toutes les quatre. Ne t'inquiète pas, Andy, on va mettre tes moutons au pas en un moins de deux. Et puisque hier, je me suis dit, putain, pourquoi il y a des moutons partout là? Je me suis dit, il se passe quoi là? Hier, j'ai pas compris quand je passais là, je me suis dit, mais il y a des moutons au large. Par contre, vous savez que quand vous tondez les moutons de l'enclos, non. Des champs Silverglade, ou je sais pas quoi, là où il y a. Où il y a, comment il s'appelle? London. Les moutons deviennent comme ça, blancs avec la peau noire, alors qu'au départ, ils sont comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, bon, je finis avec les moutons et je vous reprends après parce que ça risque de durer un petit temps et c'est pas forcément très intéressant. Allez, normalement c'est le dernier. Viens dans l'enclos, mon petit. Ouais, ok, c'est bon. Désolé de vous le dire, mais la majorité du troupeau est encore dans la nature. Oh non, à ce rythme-là, on va se retrouver à pousser des moutons toute la journée. Attendez, où est Luciana? Ah ouais, d'accord, c'est chaud. Moi, je vais en ramener 5, elle en a 40 000, quoi. Tous les moutons ont été retrouvés lundi. Quel contrôle, quelle grâce, tu es géniale, Luciana. C'est Sirio qui fait tout le travail, moi je n'ai qu'à ne pas le gêner. Ton cheval est vraiment incroyable, je te l'échange contre mes poules. Crêtement de colère. C'est une offre très généreuse, Andy, mais je ne pourrai jamais me séparer de Sirio. Et si je rajoute un cochon? Non, deux cochons. Un lama, s'il te plaît. Non, mais s'il rajoute vraiment des lamas, parce que ça fait comme deux fois que ça parle de lama, hein. N'empêche, ce serait marrant qu'il rajoute des lamas. Mais je me demande. Comment il pourrait les rajouter parce que... Ouais, je me demande. Heureusement que nous étions là pour aider Andy. Peut-être que le fil rouge du destin nous a amenés ici. D'ailleurs, la piste de randonnée nous attend toujours. Ok. On est presque au début de la piste. C'est parti pour l'aventure de l'amitié. Ok, bon, on y va tout de suite, hein. On va faire le tour. Luciana, je sais pas où elle va, là. Elle nous fait tout le tour, mais... Nous, on n'a pas le temps. Hop, voilà. Alors... La randonnée à cause du fil rouge commence ici. Si nous sommes séparés, cherchez les poteaux qui portent une étiquette rouge et vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Attends, mais on va aller avec Emma, au moins Emma va vite. Emma, viens avec moi! On passe par l'autre côté cette fois. Elle va où là? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, genre on va, ah ouais, on va faire des arrêts et tout. Ah ouais. Ça n'aurait pas fait pour s'arrêter un moment et laisser les choses se reposer pendant ce temps. Mais on a fait 10 mètres! Non, mais c'est bon, ne faites pas attention à moi, je vais juste regarder dans ces buissons là-bas. Ce n'est pas suspect du tout. Je dirais que c'est ici que je l'ai caché. Qu'est-ce que tu as caché, Emma? Rien, enfin. Pas rien, un sac en toile bleue, je l'ai caché ici tout à l'heure pour une raison. Un sac en toile bleue, comme celui-là? Espèce de petit voleur, Madison, il faut que tu m'aides à récupérer ce sac. Oh là là. Alors. Mais est-ce que c'est comme maintenant ou quand on cherche?
C'est genre quand on voit quelque chose, quoi. Genre pas là, on voit rien, mais genre il est là, quoi. Je me demande. D'ailleurs, faire le tour par en haut. Allez, c'est trop long. Ah oui, il est là, il est là, il est là. Oh mon Dieu, il est là. Vas-y. Ok. Je dois appeler les rangers et te faire mettre en prison, sale petit brigand. Et maintenant, tu essaies de me faire les yeux doux. Non, 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 ça ne marchera pas. Ta manipulation de renard ne fonctionne pas avec... Oh, il est trop mignon, regardez ça. Il est trop mignon. Ouais, voilà ce que j'ai dit. Voilà, effectivement. Voilà. Alors. Merci de m'avoir aidé à arrêter ce petit bandit. Butin récupéré. Ce qu'il y a dans le sac, rien d'important, c'était juste des souvenirs de famille. Je les ai cachés ici parce que je me disais que l'air pur de la montagne leur ferait du bien. L'important, c'est que le sac soit en sécurité. C'est moi où le ciel s'assombrit. On devrait continuer à avancer au cas où ces nuages de rage décident de craquer. Je suis bête, j'ai oublié d'emporter un imperméable. Ah oui, parce qu'on voyait de l'orage dans la vidéo qu'ils ont montrée hier. Il me semble que c'était hier. Enfin, en tout cas, de la pluie. Mais j'espère vraiment que le fait qu'ils nous demandent de la pluie souvent ces derniers temps, c'est pour dire qu'il y aura bientôt de la météo parce que. Ça pourrait être tellement bien. Au moins, tu te connectes, tu sais jamais ce qui se passe. Et c'est toujours un peu plus dynamique, quoi. Bon, je vais avancer parce que ça me saoule. On n'a pas le temps, hein. J'ai travaillé dans l'écurie plusieurs étés et j'ai vu des clubs équestres se former et se dissoudre. D'après vous, qu'est-ce que certains clubs. Qu'est-ce qui fait que certains clubs durent plus que d'autres, quoi? Je réinvente avec mes mots, hein, parce que je veux lire vite. Parce que vu que le truc il disparaît des fois, je veux pas. Ah bah c'est la pluie. On y va doucement parce qu'il faut admirer cette belle pluie que nous n'avons pas souvent. Par contre, la pluie sous le soleil. Bon, du coup, il y a un arc-en-ciel, non? C'est dans la logique des choses, hein. Et pas de Star Stable, on dirait. La confiance, sans doute. Les membres de ton club sont là pour toi et c'est à elles que tu fais appel pour s'occuper de ton cheval si tu as un empêchement. Effectivement. Je dirais le soutien et les encouragements. Ok, j'ai un peu le temps de dire. En fait, je pense que si t'es trop loin d'elles, c'est des messages qui apparaissent sur un certain endroit et si tu le dépasses forcément, bah. Voilà. Bon, faut aller jusqu'en haut. Écoutez-moi, j'ai pas le temps. Eh, ça va, hein. Faut pas que la vidéo dure 40 minutes, hein. Prendre un raccourci. Oui. Voilà. Ah non, faut pas s'arrêter là, faut s'arrêter au-dessus. Nickel. Ok, qu'est-ce qui se passe? Hein, vous avez entendu? Un éboulement! Oh mon Dieu! Ah d'accord. Ah genre effectivement, logique quoi. Tout va bien. Alors parler à qui? Sonia. Oh non, le chemin est complètement bloqué. J'espère qu'on ne va pas devoir faire demi-tour après être arrivé jusqu'ici. J'espérais vraiment qu'on pourrait attacher un fil rouge aujourd'hui. Ah par contre il pleut plus. D'accord. Impossible de passer par-dessus ce ravin par ce temps. On devrait peut-être redescendre la montagne et rester un autre jour. Pour moi, il fait très beau. Hein. On ne peut pas abandonner maintenant, Sonia. On est si près du sommet. Même si je suis de ton avis, Emma, à moins que nos chevaux n'apprennent à voler, on ne passera pas par-dessus ce ravin. Et si on utilise ce tronc là-bas, il a l'air assez large pour soutenir un cheval. Sirio et moi allons passer en premier. Qu'en dis-tu, Sirio? Tu crois qu'on peut passer? Bah oui. Il acquiesce d'un air assuré. Sirio place un tabou après l'autre avec précaution. Bah, ça va, nous on fait des trucs comme ça toute la journée. Le tronc va tenir et par sécurité, passer une à la fois. Boubou et moi y allons. Prête, ma belle? Ouais. Boubou sautille presque le long du tronc. Oh, elle sautille pas beaucoup là, mais pourquoi pas. C'était terrifiant. Madison, c'est à toi et à Raven Madness. Ok. Mais pour moi, il fait très beau. Alors, je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal que la puce soit pareille, mais. Ah oui, y a un trou dans le tronc, j'avais pas vu. Ouais, on est passé. Tu montes très bien, Madison. Iron Man Ness a des nerfs d'acier. Maintenant, à toi, Sonia. Sonia. Ah. 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 Ah.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut que je parle à... Ok. Et Sonia? Où est Sonia? Pourquoi elle ne vient pas? Allez-y sans moi, je ne peux pas le faire, c'est impossible. Mais tu es la fille la plus courageuse que je connaisse, Sonia. Tu n'as peur de rien. Même une tornade pleine d'araignées ne t'a pas arrêtée. J'ai le vertige, je suis désolée de vous décevoir. Et dis pas ça, Sonia. Les peurs ne se contrôlent pas. Cette randonnée est basée sur l'amitié. On va faire demi-tour et redescendre tout ensemble. Non, je dois moins essayer. Vous pouvez peut-être m'encourager. Imagine qu'il y a une énorme toile d'araignée pour t'attraper si tu tombes. Fais confiance à Casper. Tire ta force de votre lien. Ne regarde pas en bas, c'est tout. Bon, on va dire ça. Oui, Casper n'a pas l'air d'avoir peur. Merci pour ce conseil. Dépêchez-vous, il me faut plus d'encouragement. En croyant en toi, Sonia, ce n'est pas sûr que ça. En fait, dépêche-toi, je crois que j'entends des loups derrière toi. Oh, on va dire ça, on va rester soft. Hein. Merci Madison, mes amis sont vraiment les meilleurs. Voilà, oui. Hein. On va faire des trucs un peu sympas, hein, voilà. Il va se rarrêter. Non? Ok, c'est bon, nickel. Et pourquoi il pleut plus? J'ai réussi, les encouragements m'ont vraiment aidé. Tu es vraiment courageuse, Sonia. Peut-être qu'il pleut dans des randonnées qu'on peut faire nous de notre côté aussi. Hein. Mon vertige n'est pas guéri, mais au moins je sais que je peux compter sur mes amis pour m'aider. On est presque arrivé en haut. Qu'est-ce qu'on attend? Terminons la randonnée et accrochons nos fils. Allons-y. Regarde cette vue, c'est incroyable, hein, Casper? Allez les enfants. Qu'est-ce qu'elle fait avec Boubou là? Et moi j'ai pas le temps. Hein. Bien sûr, je le savais. Qu'est-ce qu'elle savait? Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, on n'a pas le temps. Ah merde, je croyais que... Ah mais je croyais qu'on pouvait monter par là. Ah mais il y a vraiment qu'un seul endroit pour monter. Oh d'accord, ok. C'est moi qui suis débile. Je croyais, je sais pas. Hein. Faut bien tout tester. Hein. Ok, c'est bon, on arrive. Hop. Youpi. Alors. On y est arrivé, ensemble. Ouais. J'ai apporté un fil qu'on peut utiliser pour commémorer notre amitié. Madison, tu veux bien choisir un endroit pour qu'on l'attache ensemble. Ok, bon, on va l'attacher. Ah, bah, ah non. Bon, je vais l'attacher du côté où il y a le moins de fil, mais si tu veux l'attacher là-bas, attends. Ah non. On va. Le mettre là. En attachant ce fil rouge, nous engageons à rester toujours en lien, où que la vie nous mène. Notre lien avec notre cheval est entre nous et scellé pour toujours. J'en ai des frissons, les filles. Quel meilleur moment peut-il y avoir pour annoncer la fondation de notre nouveau club équestre? Si nous avons des doutes sur le fait d'être dans un club ensemble, cette randonnée les a éradiqués. J'ai appris tant de choses sur vous toutes et sur moi. Ça semble couler de source. Pour l'instant, nous ne sommes que trois, mais j'espère que nous convaincrons d'autres filles de nous rejoindre, comme toi, Madison. Oh, nous n'avons même pas dit à Madison ce que nous avons choisi comme nom. Je peux lui dire, s'il vous plaît? Moment de vérité. Vas-y, les Flying Foxes. Bon, ça va, c'est pas trop mal. J'ai envie qu'il n'a qu'à bien se tenir. Un nouveau club est dans la place. Ouais, trop bien. Youhou, génial. Je suis vraiment heureuse que tu sois ici pour partager ce moment avec nous, Madison. Eh bien, moi aussi. Alors, vous êtes où? Ah, elles sont descendues, je crois. Ouais, elles sont descendues. Ok, il y en a tout le monde sur ce truc, quoi. Genre, il y a 4000 personnes. Oh, j'ai failli oublier. Ah, le petit cadeau. Vous vous rappelez du sac de tout à l'heure? J'étais un peu bizarre. En fait, j'ai fabriqué quelque chose à partager avec vous toutes pour célébrer la naissance de notre club. J'espérais avoir des uniformes complets pour tout le monde, mais je n'ai pas eu le temps. Alors, je me suis souvenu que Sonia insiste toujours pour que tout le monde fasse attention à sa sécurité à cheval, en commençant par porter une bombe. Et je me suis dit que si je pouvais fabriquer qu'un seul élément de l'uniforme, ce serait bien de commencer par ça. Je me suis inspirée du style baroque que tu m'as fait découvrir lors des portes ouvertes, Luciana. Enfin bref, je vous ai fait des bombes d'équitation aux couleurs des Flying Foxes. Alors, je sens qu'il y a moyen qu'on rejoigne leur club et qu'on se tape toute la tenue, mais... Oh j'adore, merci Emma, ce logo est génial. Tu les as brodés toi-même, tu es vraiment pleine de surprises. J'ai eu un peu d'aide de la part de Kirsty, c'est une déesse des travaux d'aiguille. Les autres clubs équestres vont être verts de jalousie quand ils vont nous voir monter avec ça. Et ne croyez pas que Sirio et Casper... Que j'ai oublié, Sirio et Casper, j'aurais fait des tapis de sel, c'est important qu'ils se sentent inclus. Tu es vraiment un cœur d'or, Emma. Sonia, je n'arrive pas à croire que j'ai presque raté le début de la randonnée. Je serai à l'heure maintenant, je te le jure, tu peux compter sur moi. Oh Emma, je suis désolée de t'avoir
t'avoir râlé dessus. Tu es ma meilleure amie, je n'aurais jamais dû douter de ton engagement. Tu as entendu Boubou, elle dit qu'on est encore meilleure amie. Madison, je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui, mais heureusement, j'avais fait une quatrième bombe. Je suis heureuse de te la donner, mais seulement si tu n'as pas trop honte d'être associée à notre club de tordus. Longue vie aux Flying Foxes. Ok. Et je veux avoir un tapis, moi. S'il te plaît. Les bombes, c'est... Je mets jamais de bombes, je trouve que ça va pas, mon personnage. Pff, oh là là. Tu es une véritable amie. Je sais que tu as participé à d'autres clubs par le passé, mais n'oublie pas que tu es un membre honoraire des Flying Foxes à vie. Chevauchons à nouveau ensemble très bientôt. Alors, ok, pourquoi pas, mais... Enfin, j'ai jamais été membre de n'importe... Enfin, voilà, je suis juste aidé. Alors, on va le mettre, prendre une photo, zoomer. Oh, le logo est pas trop mal, hein. En soi, la bombe est pas trop dégueu, hein. Ça passe, hein. Si un équipement complet comme ça, non, ça va. Enfin, ça va. Mais je trouve toujours que ça va pas mon personnage. Donc, on va enlever ça tout de suite. Par contre, elle rajoute rien. Et ça dit, tu es maintenant membre honoraire du club équestre des Flying Foxes. Félicitations. Eh ben, génial. Mais écoutez. Je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter. Personnellement, je trouve que c'est plutôt sympa. Au moins, ça mêle un événement et l'avancement un peu de l'histoire. Parce que du coup, là, le club équestre, on en entend parler depuis longtemps, est enfin formé. Donc, on va avoir pas mal de choses, je pense, ces prochains temps avec le club équestre. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, non, les randonnées, je trouve ça sympa. Surtout s'il y a des événements différents à chaque fois. À voir, donc, à essayer d'en faire plusieurs, là j'en ai déjà fait deux en comptant celle de la mission, on va pas abuser. Mais en tout cas c'était plutôt marrant. Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Madison, bye bye tout le monde.